Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal Mi-temps Journée sur télévision nationale d'Haïti. Nous avons démarré le journal avec une information qui concerne le président de la République qui a pris possible avec le programme Kaipam Kleria dans tout le pays. Cominence Rouge et Zone Belle Orange bénéficiaient pendant le week-end passé à un programme. Ça. Un reportage Anne-Marguerite Auguste a présenté nous. Plaine de l'Arbre, magasin Les Rois dans Anse Rouge et puis localité Crève dans Baie d'Orange qui bénéficiait programme Kaipam Kleria. J'ai ça traduit volonté chef l'État pour mettre tout le monde en lumière d'après parlementaire. D'après yo, mettre courant dans zone reculée yo c'est plus bon engagement. Président Jovenel Moïse te kapran en faveur moun sila yo. Yo croit énergie c'est un point fort développement yo pays, ça qui pral aider changer comportement vie moun sa yo et puis permettre participer dans effort qu'a fait pour augmenter économie pays a. Moun yo vraiment très content et gen des moun qui gagne même presque 90 ans et moun sa yo dit c'est grâce avec président Jovenel et député Edouard Nel Chéri qui fait j'ai éclairé depuis existence. Nous pensons que son bel programme que lié nous mandé tout piga gouvernement campé avec programme ça. Si moun yo pral gen opportunité là pour étudier normalement et me souhaiter que gouvernement continue programme avec plus agressivité et pour l'autre communauté ça yo ka joine pour ka bénéficier courant ça que son opportunité pour moun yo gen courant 24 sur 24. Bénéficiaire yo remercier président République là pour accompagnement ça. Selon yo, en pile nan yo ka vivre dans zone reculée yo passe yon bon parti nan vie yo nan fè noir. Ça qui limite activité économique yo. Di président merci en pile parce qu'il a fait bon travail dans zone nan bon lumière pour m'clairer qu'on n'a pas marché m'a casser orteil pied merci pour tout. Li me appli mais la caille moi la pour ti moun étudier pour me faire travail moi le soir pour me faire tout bagage pour m'étudier pour charger téléphone pour me tere la caille moi. C'est première fois nous on va comme ça représenter dans zone nous parce que chaque président monter chaque député monter va jamais jeune ça. Je dis à ces nèg la caille qui fait ça. Je dis à nous content nous remercier. Et débuté à tout président. Achante l'homme vert, jeudi, demain, tu m'en y crasé. Ou acheter. Qu'on y a nous bien, qu'on y a n'importe quelle lumière. Grâce au président Jovenel Moïse, avec député Edouard Nel Chéri, qui m'était dit, là, peut-être, grid d'apprendre qu'on a plu, mais regardez, m'y a trois ans pour la caille. Moi, m'dit, président, merci à tout député. Président Jovenel, depuis la campagne, son président qui m'a très bien pile, malgré ma gueule, je voter, mais j'espère que depuis le tour de l'élection, dans le jour qui vient, dans l'année qui vient, moi-même, je vais premier voter. Asoa kay mwap clé, ma petite est plus facile. Oh, kam kote nan fè nwam de. On y a mien lumière, président mwen lumière. Merci. Ti moun yo pa ka étudier nous ti Jovenel, merci. Parce que li mete ti moun yo, y a ka apprendre plus bien qu'on y a, y a ka étudier. Nous di merci, nous te voter pour ça. Son nèg éclairé Jovenel yé. Et ça nous joie, nous fait ça. Merci. Et nous espérons n'ab jeune toujours. Plusieurs séances formation t'est organisées en faveur bénéficiaires yo pour permettre yo bien comprendre appareil yo pral utiliser ya. C'est pour raison ça technicien qui fait installation yo qui animé séance formation ça. D'après directeur général autorité nationale régulation énergétique là Evanson Calix, li expliqué yo formé technicien dans zone bénéficiaire yo pour assurer suivi n'importe qui panne appareil yo tabay. Programme ça fait partie de programme électrification et tout pays hein? Là nous dans zone côté caillou gaille en pile côté ou pas alimenter caillou et à travers un réseau électrique là n'a pas alimenté à travers un système solaire individuel qui gagne là-dedans le 4 ampoules et puis un port pour mon charger téléphone yo et puis ensuite un poste radio donc là ça fait partie dans c'est un axe dans programme électrification paysan. Comme toujours me rappeler qu'il y a trois grands axes là-dedans. C'est 1000 familles dans zone Sayo qui bénéficient d'appareils pour mettre courant à la caillou. Système éclairage ça pour aider moun yo puis bien fonctionner en dedans la caillou et puis prendre l'autre décision qui ca participer dans changement la vie yo. Merci Anne ak Hervé. Ministère conditions femmes et droits femmes organisé mardi 6 mars 2018 là, un atelier échange dans cadre d'une commémoration Journée internationale droits femmes 8 mars cap vini là. Brasser l'idée ça visé faire promotion intégration femmes et garçons dans métier traditionnel yo. Un reportage d'Aline Dorival a présenté nous. Métier pas gay sexe. Nous a fait travail femmes et garçons égal égaux. C'est sous thème ça, ministère conditions femmes et droits femmes organisé un atelier mardi 6 mars là dans l'idée pour commémorer journée internationale femmes yo.
Dans le cadre d'activité, le ministère a présenté 16 femmes qui décident de faire métier qui généralement, messieurs qu'on exerce. Unide Innocent annoncé 65 jeunes femmes à prendre formation dans plomberie, réfrigération et électricité. Selon le ministère conditions femmes et droits femmes, c'est un engagement de l'administration Moïse et gouvernement Lafontaine pour faciliter l'intégration mesdames. Tout ça, c'est par rapport à la politique d'égalité femmes-hommes que l'État haïtien a adopté depuis 2014. Nous connaissons aujourd'hui, depuis la timounio l'école, gagnons construction sociale qui fait. Yo levé timounio avec des stéréotypes en tête yo, côté que yo voulez faire comprendre que gagne des métiers qui réservés pour filles, gagne des métiers qui réservés pour garçons. Alors que nous-mêmes nous dit que et nous connaît que filles hein, avec garçons, yo gagne même potentialité, yo gagne même cerveau. Des métiers pas des métiers et pour filles pas des métiers pour garçons. C'est ça fait thème sous thème n'a et fait atelier sa journée aujourd'hui hein, c'est métier pas gain sexe dans question travail, femme et garçon égal égaux. Timothée Laura, c'est une professionnelle qui étudie électromécanique, li fait connaître zafè métier pas gen sexe. M'a dit yo pou oser chercher la vie hein tout côté. Nan métier pas gen sexe, pas gen fille, pas gen garçon, tout monde ka fè même bagay, surtout yo relé. Ba ça veut dire c'est technique yo, c'est pas force qui fait c'est technique. C'est apprendre bien et puis appliquer technique yo ba nou hein pour nous faire, nous pas besoin force pour nous faire les techniques n'a besoin. Député Gladys lundi, quoi en pile j'ai fort fait dans ça qui gain à ouais avec égalité femme et garçon. Jounen jodi a, mais rete en pile l'autre travail pendant inviter mesdames yo investir dans politique pour plus femmes dans toute partie yo en de pays ya. C'est garder qu'on y a là qui j'en a pas fait pour nous permettre que mesdames yo capable intéresser à la politique pour que l'histoire que la politique c'est l'affaire des hommes non. Li nous commencer faire le révolu pour nous sentir une nécessité à ce que femmes yo investi espace décisionnel là et à ce moment depuis question quota li respecté et faut qu'on on mécanisme pour application quota parce que soit garder dans chambre nous que trois femmes donc c'est pour dire que il y a une pile bataille qui mérite fait. Mais cependant, c'est conscient pour nous concerner de situation, garder problème, évaluer, et puis qu'on a nous-mêmes pour nous garder qui perspective et qui démarche que nous avons adopté en termes de méthodologie, en termes de mécanisme, pour que nous permettions que l'égalité vienne arriver parfaite. Ministère conditions femmes et droits femmes présentait plusieurs jeunes femmes qui travaillent sous métier non traditionnel. Le ministère a continué de travailler dans l'idée pour faire femmes jouer plus de valeur dans la société. Police nationale d'Haïti organisé mardi 6 mars là dans l'Académie nationale de police la Soute Frais, yon atelier sensibilisation sous violence qui fait sous femmes actifs en Haïti. Atelier ça a gen pour objectif provoquer une prise conscience dans mitan divers acteurs dans société a sous violence qu'a fait sous femmes d'après directeur général PNH là Michel-Ange Léon. Chef police nationale d'Haïti a fait connait atelier ça a réuni plusieurs acteurs qui impliqués dans bataille contre violence sous femmes tant coup société civile représentant organisation défense droit moun ak communauté internationale là. Yon extrait dans micro TNH. Cette rencontre constitue une activité qui peut s'inscrire dans un cadre global d'activités ponctuelles pour sensibiliser les esprits sur les droits de la personne en général et les droits de la femme en particulier. Nous sommes encore un pays où le taux de violence faite aux femmes est parmi les plus élevés de la région. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons faire quelque chose. Tout commence par une sensibilisation tout azimut. Cette activité s'inscrit dans cette logique. Je suis particulièrement sensible à la question des violences faites aux femmes, entre autres, du fait de la mission de protection et de service dont la PNH est investie. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le 8 mars prochain ramènera la Journée internationale de la femme. C'est donc en prélude à cette journée que l'activité du jour est organisée. Elle vise particulièrement à provoquer une prise de conscience plus large de nombreuses violences dont les femmes et les filles haïtiennes sont quotidiennement victimes, que ce soit à la maison, au travail, dans les transports en commun, dans les rues, etc.
Yon nan patne atelier sensibilisation sous violence qui fait sous femme actifi pays Canada qualité important pour réunir divers acteurs qui impliqués dans bataille si là. D'après Carlos Rojas Argulo, représentant ambassade Canada en Haïti, PNH gagne un rôle capital li doit jouer dans potesipo by femme actifi qui victime violence. Nous invitons à suivre un extrait dans déclaration. Cette journée offre l'occasion de réunir les forces vives des personnes clés qui ont la capacité d'agir à différents niveaux, qui font face aux femmes et aux filles violentées tous les jours et qui ont une expertise sur la question. Comme vous le savez et êtes convaincus, la violence contre les femmes constitue une violation des droits humains et des libertés fondamentales. En même temps qu'elle impose totalement ou partiellement des restrictions à la reconnaissance, la jouissance et l'exercice de ses droits. Cette violence est présente au sein des familles, dans les écoles, dans les organisations sociales, politiques et privées, et même dans la mentalité, souvent reconnue à travers les mœurs, les proverbes, certaines expressions artistiques, qui la prône ou la dénonce. Permettez-moi de souligner que le rôle des représentants de la police est essentiel, et je répète, est essentiel, pour soutenir les femmes qui ont le courage de dénoncer la violence dont elles sont victimes. C'était précision représentant ambassade Canada en Haïti, qui s'est un partenaire atelier sensibilisation sous violence qui fait sous forme actifi. L'autre information dans le journal ça, économiste Edier Emile, ça les décisions que gouvernement prend pour exiger toute transaction l'argent fait en goud en dedans pays a. Edier Emile encourager application décision ça. Antimars dans un compte rendu. D'après économiste là qui était quoi, si gen bon mezi accompagnement qui facilite application hein, la pote en plus dans l'économie nationale là. Et Edier Emile fait qu'on est pour l'aime changer l'argent, t'as doué première étape qui est abordée. Pas aucun pays dans le monde là, on va pas exagérer. Pas sur un pile pays dans le monde là, côté n'importe qui a changé l'argent. C'est-à-dire que n'importe qui côté, n'importe qui taux, n'importe qui est à n'importe quel moment. Le ça a ou gagné désordre, le ça a gagné, on a capable de confusion, incertitude, anticipation, n'importe qui bagaille. Bon. Alors que dans l'autre pays, ou encore la plupart des pays, il y a des règles, des permis qui autorisent les gens à faire, et les ça, au plus ou moins bon contrôle. Ou qui est-ce qu'il fait, et au bon meilleur contrôle de quantité d'argent réel qui a circulé dans l'économie. C'était l'occasion tout pour professeur à te porter précision sur le problème qui gagne, les gains de l'argent qui a circulé en dedans, c'est l'économie. Double circulation, nous fait expérience là, mais les que créer des ordres, les que les vignes trop difficiles pour les autorités monétaires et économiques. Et agit sur la stabilité au niveau des échanges des prix, devient beaucoup plus dangereux. Donc, moi, je crois que, sans faire un discours politique, sans camper dans un secteur face à un autre secteur, pour qu'ils ne soient pas capables d'arriver dans une dimension pour que nous mettions l'ordre dans la question, régulariser la question. Hein? Donc, ce sont des ordres que nous avons construits pendant longtemps. Il y a nécessité pour que nous, quand même, arrivions à ce moment, fait tournant, pour que justement, nous avons un minimum de contrôle. Résultat décision ça, t'as dû porter changement dans quelques domaines d'après Edier Emile. Il dit, la prête est plus toujours bon côté autorité. Le grand défi, c'est comment maintenant arriver à la croissance économique soutenable, comment arriver à la création d'emplois massifs que nous avons besoin, hein? Et comment arriver à des investissements plus importants. Et c'est ça qui va avoir un impact direct sur la vie mounio pour que nous pas comprendre une illusion qu'a créé là avec tout le changement, mais qui quand même capable d'amorcer une vraie relance, une vraie révolution. Mais nous beaucoup là, faut que nous prenions un cadre que l'IA pour ne pas bailler trop envergure, ni pour ne pas gagner trop de temps par rapport à l'économie. Pour un pilote observateur, il est important pour chaque acteur profiter du moment ça pour virer sous production nationale là pour couper pression sur l'agent américain. Président Chambre député à Gary Baudot salue décision gouvernement prend pour exiger toute transaction commerciale dans le pays faite en goud. Cependant, parlementaire a dit doit gagner yon chita palais qui fait à quelques acteurs qui impliqué dans question ça pour éviter trop problèmes.
Depite Modo di ta dwe gen yon moratoire ki jwenn avan aplikasyon sa. Yon ekstrait nan deklarasyon nan Mikrofedyan Konfidan ak Moïse Wilbridge. Le gouvernement ne va prendre aucune décision parce que la constitution est claire. La monnaie nationale, c'est la goutte. En plus de ça, il y a un décret 89 qui était déjà dit, toute transaction supposée faite en goutte. Donc moi-même, mon petit Jean étonné pour me dire qu'il y a un arrêté qui prend parce que c'est des débats qui existaient déjà. Peut-être que l'arrêté a vint rappeler et sa constitution a dit, vint rappeler qui ça qui dit dans le décret 89 là. Donc force est de constater que ça fait un pile remous dans des notes forme économique secteur privé. Donc ça a mandé faut gagne chita parce qu'on pas quand dans pays tout pour travailler en goud pour payer caillou en dollars américains. Donc je dis à donc tout problème ça faut poser. Donc la dollarisation de l'économie, donc c'est pas un bon bagage, mais non, c'est une décision qui ne peut pas être comme c'est Mdazou automatique parce que nous avons 30 ans n'a violé la loi parce que son pays qui fait à peu près en 2017 4,7 milliards de dollars d'importation, son pays côté nous importer en pile. Donc faut dire que c'est pas une décision qui peut appliquer aussi rapidement. Je pense qu'il faut un dialogue, faut un moratoire qui baille parce que rapidement tout gagne des monde qui commence à faire spéculation sur marché, à même l'état a fait spéculation parce que moi gon note maintenant n'importe là désormais sous gain 2 dollars américains ou capable faire passer à 100 150 goud. Donc 1 dollar américain pour monde qui travaille dans n'importe là égal à 75 goud. Rapidement nous gain spéculation et tout. Non, on pas parler de pour ça la loi dit, mais loi c'est moun qui fait pour l'application. La loi avait déjà existé, donc arrêté à pas porter rien nouveau. Constitution dit monnaie nationale là c'est good, décret 89 là déjà dit prix doit afficher en good, donc pas grand nouveau qui porter, sinon yon volonté de gouvernement pour faire respecter la loi. Membre commission éthique et anticorruption Sénat, je suis à parler mardi 6 mars là avec ministre finance là, Judalix Patrick Salomon, accompagné directeur général Impoa Miradin Morlan. Dossier contrebande, franchise douanière est en centre discussion yo. Président commission en sénateur La Tortue fait connaître, l'État perdit environ 50 milliards goudes à cause contrebande, fraude fiscale, franchise douanière. Commission l'a dirigée a enquêté sur question ça pour produire un rapport by assemblée pour corriger situation ça d'après ça le fait qu'on est. Il y a extrait toujours dans micro Fédéral Confident avec Moïse Wilbridge. Comme je dis, c'était première rencontre notre gardi commission éthique et anticorruption avec le gouvernement. Rencontre ça nous fait c'est sous trois points que nous avons déterminé que nous allons travailler sur yo, c'est la contrebande, la fraude fiscale et la vérification des franchises. Nous parlons de trois sujets, nous demandons l'état des lieux. Par exemple, nous avons des données sur la question de contrebande, comment lier dans le pays, et nous arrivons, peut-être, mettez-nous d'accord sur la frontière, il y a 40 à 45% peut-être de produits que la douane taxe, mais il y a tout le reste qui n'est pas taxé. Donc ça veut dire que la commission pourra garder justement sur le terrain après pour qui problème. En plus de problèmes que vous dites et qui ça, vous devez faire. Ça, c'est au niveau de la contrebande. Au niveau des franchises, ça nous est, c'est que, à ça surtout, il y a environ 10 391 millions de goudes qui allaient dans la franchise. Alors, plusieurs, vous avez dit, secteurs. Il y a un secteur ONG, il y a une franchise diplomatique, il y a agriculture. Donc, nous avons dit, puisque, en général, franchise a été bâillée pour favoriser par rapport à la loi sur investissement, pour ce comme ça que l'État a perdu, parce que Jean-Ministre de Finances se dit, 10 milliards de gouttes là, l'État ben là, l'État a supposé payer la douane comme là. Mais l'État n'a pas payé, donc c'est 10 milliards de gouttes ou 7 que l'État va entrer. Est-ce que il y a une compensation, est-ce que le travail qui crée vaut ça, ou bien est-ce que par exemple l'entreprise qui bénéficie de franchise là, qui va donner difficile? Donc nous demandons à ce que dans 8 jours, pour nous gagner une liste toute entreprise yo, qui a franchise ONG, pour nous vérifier, garder. Parce que l'État par là pour le paix du cob, faut que on l'ordre qui mette dans la question. Nous parlons de fraude fiscale tout. Et fraude fiscale là, nous sommes situés dans l'entreprise, il y a plusieurs bilans, plusieurs états financiers. Il y a un pour DGI, il y a un pour la banque et il y a un pour l'international. Donc nous demandons comment que, à partir de banque, nous avons
vérifier l'état financier ça pour que c'est pas l'autre bail DG pour entreprise à pas payer moins. Ça veut dire là nous garder dans question ça comme nous dépenser dans franchise environ 10 milliards 400 500 millions de dollars sous frontière l'homme de la goutte a dû multiplier justement par 66 600 millions c'est 6 milliards c'est là presque 30 milliards 10 milliards dans ça ou qu'a dit que ou ap chercher là et bien soit là dans fraude soit là dans franchise soit là aller dans contrebande donc l'état le perd du tout comme ça ça veut dire qu'on l'état faible qu'a demandé et on l'état côté nous qu'a dit et nous reconnaître li là bien au système côté nous qu'a dit un petit groupe qui bénéficie de toute baisse ça nèg qui fait contrebande là c'est li gain de l'état financier est-ce que vous comprenez et puis c'est lui le plus souvent qui gon franchise bon. Donc ça veut dire que faut qu'on l'autre qui mette dans ça parce que 50 milliards là c'est pas peuple là non moi qu'a dit comme si comme là passer dans peuple là passer non petit groupe et que l'état doit arriver justement rejoindre comme ça yo. Toujours sous même dossier ça ministre économie et finance là Judalix Patrick Salomon dit reconnaître dossier contrebande là représenté un gros défi pour pays là. Concernant dossier franchise douanier, ministre Salomon fait connaître, il y a ensemble franchise l'État accordé par l'organisation non gouvernementale, c'est un engagement international. Il y a une décision qu'on prend pour vérifier si par gagne aucun monde qui gagne franchise qui pas mérité. D'après ça, il fait connaître, il y a un extrait dans la déclaration. Contrebande général, président a expliqué ça lié. Mais les gagnants ont une réalité particulière, tout, c'est que dans le contrebande, les gagnants et zones qui bénéficient par rapport à l'espace national. L'OAB garde l'OAB goumé contrebande, par exemple, il est clair que dans les zones qui bénéficient, ou bien côté contrebande implanté, il y a toujours une grosse résistance tout, pour lutte contre contrebande, pas abouti. Tout. Et c'est là. Appui ensemble autorité régionale yon important, notamment autorité qui dans le Sénat ou dans la Chambre des députés. Et donc ça, le gon conjonction entre deux espaces nationaux, le législatif et l'exécutif, c'est le meilleur moyen pour assurer nos réussites dans le combat. Ça. Nous-mêmes nous engager, nous avons des actions menées. Tant dans la douane Belader que Wanamet et ainsi de suite. Et nous avons continué surtout avec le fait que nous sommes certains que nous avons appuyé ensemble le Parlement pour combattre ça à mener dans son ensemble. Pour ce qui a trait à la franchise, c'est vrai que la franchise a 10 milliards, mais quand je ne t'ai pas expliqué, il y a des franchises qui baillent, c'est dans le cadre de. Nous avons dit engagements internationaux l'État haïtien, donc on ne peut pas retirer, c'est des engagements réciproques de l'État haïtien, particulièrement les franchises diplomatiques. Donc, il y a des franchises qui baillent, c'est par rapport à la loi sur promotion d'investissement, et c'est ça, président de la commission Antabdil. Il faut que nous gardions, premièrement, est-ce que les franchises ne sont pas trop généreux, et est-ce que le résultat est probant. Résultat est probant, ça veut dire, est-ce que quand vous perdez, qu'on pas collecté, hein? Est-ce que li comparable à montant qu'on rentré par rapport à travail qui t'a créé, par exemple. Donc c'est des éléments que n'a pas approfondi ensemble tout pour nous garder s'il y a des textes de loi pour gagner pour amender, notamment textes de loi sur promotion investissement si n'a pas gardé. Gagner des franchises qui baillent des institutions non gouvernementales, notamment les ONG. Là encore, il faudra bien comprendre si, et on a dit, qui efficacité action institution non gouvernementale ça yo, et est-ce que niveau d'activité que a peine, est-ce que li, on a dit, permet de justifier franchise ça qui accordé. Donc tout ça yo, c'est des éléments que nous allons approfondir ensemble. L'autre nouvelle, commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Oknam Klamé Damius, avec sénateur Onel Senatus, recevoir mardi 6 mars là, nommé Védeline Derusso, Timon 11 mois, qui était disparu dans veille de nuit, Shalom Tabernacle de Gloire, depuis 23 février passé, d'après Maman Timon.
Vedline de Rousseau fait connaître ses maman petite là qui t'a quitté Timon en amène la veille de nuit et puis il pas jamais tourner venir chercher lui. Commissaire gouvernement Port-au-Prince là met tout nam clamé dame Yus fait connaître, il va questionner maman Timon là avec dame qui t'a kembé Timon là pour capable connaître vérité sur dossier ça. Nous invite au suivre yon bout dans déclaration yo. Gagné de maman Timon ça qui était dans radio et qui était dans parquet à tout hier qui t'a informé nous de Timon ça qui t'a perdu, il y a pas de jambe jeune. C'est dit que pendant tu dans l'église Shalom, Timon était avec lui. Donc, les l'a cherché, il pas jeune, il sorti dans toilette. Alors nous-mêmes en tant qu'autorité, nous te prenons disposition pour nous capable connaître de quoi il est question. Donc c'est en même temps moi-même, moi gagne un sénateur qui tellement intéressé avec des dossiers. Surtout c'est des dossiers Timon, la famille. Sénateur a relé dans téléphone et puis nous gagnons un informateur qui permet que sénateur au courant qui côté n'a jeune Timon là, voilà. Nous venons là derrière rendez-vous 33 et puis nous tout gon madame qui menait Timon là nous et qui dit nous il était gagné c'est maman qui était bali garder Timon là en attendant pour l'acheter on lettre parce que pour l'acheter on lettre elle est vire. Maintenant c'est depuis les salles, il dit il va jamais joindre. Elle dit il était présenté dans DCPJ et puis nous gagnons brigade de protection des mineurs qui était référé à bien-être social, c'est ça le montrer moi. Maintenant moi-même comme autorité, m'ai pas obligé première information que ban moi c'est li pour me kembé. M'a pral gagner, moi grand présent juge de paix qui me demandé d'abord pour mal regarder qui côté Timon nan té a, ensuite mal confronter information ça yo entre maman et madame ça pour m'arriver gagner vraiment les vraies informations, vraie version des questions hein, et puis avant pour avancer pour nous connaître qui est-ce qui a une responsabilité la donne ou non. Toute société a été en ébullition avec le cri d'une mère au niveau de Radio Caraïbe qui t'a dit qu'il a perdu petit, il a perdu petit lit dans le cadre d'un jeune non veille de nuit que le aller. Et nous même comme autorité et père de famille ça a été interpellé. Pendant la journée nous recevons un appel de yon citoyen qui là qui dit nous gen un monde qui wet ti moun nan côté et que y a essayé localiser rapidement me dit que information ça ba mre le commissaire gouvernement pour nous garder ensemble comment t'ka font intervention et pour ta vinn prend ti moun nan pensant que c'est un monde qui l'a volé ti moun nan mais l'en rive nous non madame qui lui même gen papier nan main qui c'est bien-être social Bali qui c'est un papier de garde nan papier ça dit que ti moun nan tambété pas maman le bail kembil nan Shalom pour l'acheter on élevé bail sous forme lettre pour ti moun nan et puis depuis lors maman pas j'ai pas moi maman yo fait toute démarche à la BPM à la police de Delma 33 aller dans bien-être social jusqu'à ce que yo accorde yo un papier côté bail ti moun nan ti jouet non Christelle Esther parce que li bébé yo pas connon yo ballon l'âge et yo pas signature donc pour parents ça te ka kembil. Effectivement, madame ça tend des questions faire remous, peut-être lui fait un lien avec monsieur ça qui relè non qui permet moi même le commissaire là pour arriver dépister cas et joindre timoun non. Et heureusement timoun non, lui en santé, mais commissaire là pral gagner pour le font travail. Lui même du point de vue juridique pour le faire lumière sur lui parce que timoun mérite protection, ça te doit interpeller tout citoyen et toute autorité yo et ce travail ça que nous même nous venons là pour nous venir faire. Bon côté pal Vedline de Rousseau fait connait maman petite là qui était le normal depuis 12 février dans veille de nuit Shalom Tabernacle de Gloire. Depuis les ça, il était mené Timon dans fort dimanche après sa direction centrale police judiciaire jusqu'à ce que Institut bien-être social à recherche IBES balie en papier pour les garder Timon. Il y a un extrait dans micro TNH. Lundi 12 février à 10h, nous allons dans Jeune Shalom. Madame Moumoun Vinil dit nous qu'un petit ça pour lui, il a lâché un L9. Il n'a pas jamais tourné. Nous faisons lundi toute journée avec bébé, mais nous n'a pas jamais tourné. Dans lundi après-midi, Jeune Lagé, tout le monde a la caillou malé dans la radio. Il dit moi, il n'est pas responsable si nous continuons à nous aller fort dimanche. Nous allons maintenant Jeune dans lundi soir, Radio Shalom. Maintenant Jeune dans lundi soir, mardi la journée, nous reprenons Jeune encore. Ni a lui pas venir aller fort dimanche lui fort dimanche dit nous braler et tout monde yo dans mission yo dans bail carnaval pas gain monde qui pour recevoir nous dans bail carnaval n'a retourner dans jeudi moi retourner avec yo bon mon petit papier marqué EMC on bail sous lui pour dans DCPJ le niveau DCPJ DCPJ
fait photo petite là et puis yo parle avec moi, yo dit aller avec lui qui est trop tard, yo pas bien temps aller bien-être social. Pour y aller là non, yo dit m'a retourné vendredi, il me retourné à 10h, yo m'étant vinn trop tard tout monde yo dans la rue, yo dit m'a retourné encore, nous retourné dans lundi 22. Dans lundi 22 de CPJ menem bien-être social, bon yo papier, yo dit m'a retourné après un mois. N'a pas en pause dans le journal ça, pas déplacé, n'a retourné tout de suite après. L'actualité internationale, le Conseil économique président américain Donald Trump, Gary Cohn, remet démission mardi 6 mars 2018. Gary Cohn remet démission après annonce président américain pour taxe sur importation acier et aluminium. Nous invitons à suivre un reportage. Conseil économique Maison Blanche, Gary Cohn, présenté démission le mardi 6 mars. La. Gary Cohn, 57 l'année, c'est un ancien banquier Goldman Sachs. Les remettre démission parce qu'il n'est pas d'accord avec la décision de Donald Trump imposée sous taxe pour importation acier et aluminium. Président a répété intention pour augmenter tarifs douaniers dans le cadre de conférence de presse mardi 6 mars, dans l'occasion de visite du Premier ministre suédois. Gary Cohn, pas de présent dans la conférence. Sa. Gary Cohn a rassuré marché et une politique économique libérale qui est favorable pour l'entreprise. Objectif li c'était faire adopter une réforme fiscale. Finalement, réforme ça a été promulguée dans le mois de décembre. Ça qui a fait passer 35% à 21% impôt sur société. Yo. Cependant, il a fait responsable entreprise jouer un autre avantage parmi les possibilités pour rapatrier à un taux favorable gros réserve l'argent qui est dans la filiale dans un pays étranger. Donald Trump a fait appel à Gary Cohn depuis investit-il et reconnaître les plus comme un sympathisant démocrate que républicain. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, Conseil de sécurité de l'ONU réuni mercredi 7 mars 2018 là, sous situation Ghouta orientale là. L'ONU demandé pour faciliter et de l'arrivée dans la région ça. Suivez un reportage. Si notre objectif pour parler sous situation difficile Ghouta orientale à traverser, Conseil de sécurité de l'ONU réuni mercredi 7 mars là. D'après l'Observatoire de la monde syrien, il y a une vingtaine de personnes qui ont des problèmes pour respirer dans l'amorier, ce qui pousse l'ONU à demander pour faciliter l'aide humanitaire à rejoindre la population. Il y a un déploiement d'aide qui doit aller depuis Aïe Madia, mais ça n'a pas arrivé fait. Il y a un processus pour camper Batala dans le pays Syrie qui a été voté le 24 février passé, côté demandé pour respecter la trêve depuis la Russie, spécialement dans la région Ghouta. Dans le dossier sport, football, Don Bosco, Pétionville, après jeudi à dans le Parc Saint-Victor Cap-Haïtien, à Créal du Cap, dans la 4e journée championnat national première division. Et puis à l'étranger, Tottenham Juventus, Manchester City, FC Ball, c'est deux affichages qui gagnent pour jeudi à dans la 8e de finale Ligue des Champions. Programme Kaipam Cléré est arrivé dans la commune rouge avec zone Baie d'Orange. Le programme qui rentre dans la vision président du Ligue pour faciliter la population dans divers coins dans le pays a bien accès à courant électrique. Président Chambre député Gary Bodo salue décision gouvernement prend pour toute transaction commerciale faite dans la monnaie nationale. Commission éthique et anticorruption Sénat, je suis parlé mardi 6 mars avec le ministre financement, Judalix Patrick Salomon, qui est avec le directeur général DGIA, Miradé Morland. Dossier contrebande, fraude fiscale et dossier franchise douanier, t'es dans la discussion ça y est. Ministère conditions femmes et droits femmes à Paris pour célébrer la journée internationale femmes, UMAS Capinilla. Avant journée ça, le ministère a organisé mardi 6 mars là, un atelier échange pour faire promotion, intégration femmes et garçons dans le métier traditionnel. À l'étranger, Gary Cohn, qui est conseiller économique président américain, remet démission à Yemadia. C'était un des plus importants conseillers Donald Trump. Voilà, c'est là nous mettons bout dans le journal ça pour aujourd'hui. Merci pour fidélité ou attention. Restez branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bonsoir tout le monde.